au nom Georges, Chris Houghton. Harry sort faire un tour. Tu promets d'être sage, Georges ? Demande Harry. Oui, répond Georges, je serai très sage. J'espère que je serai sage, pense Georges. Georges voit quelque chose dans la cuisine. Un gâteau! J'ai dit que je serais sage, pense Georges. Mais j'adore les gâteaux. Que va faire Georges? Oh non, Georges! Vu Georges cette fois. Ses chats. Je sais. J'ai dit que je serais sage, pense Georges. Mais j'adore jouer avec chats. Que va faire Georges? Oh non, Georges! Georges cette fois. Un joli parterre de fleurs. J'ai dit que je serais sage, pense Georges. Mais j'adore faire des trous dans la terre. Que va faire Georges? Oh non, Georges! Harry est de retour. Salut Harry, content de te voir. Georges, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout massacré. Et comment diable as-tu fait pour manger un gâteau tout entier? J'ai promis d'être sage, pense Georges. J'ai aspiré à être sage, mais je n'ai pas été. Que va faire Georges maintenant? Je suis désolée, dit Georges. Pour me faire pardonner, je te donne mon jouet préféré. Merci Georges, dit Harris. Que dirais-tu d'une petite promenade? Super! Georges adore sortir. Il y a tant de choses à voir et à faire. Oh! Georges a vu un gâteau. Va-t-il le manger? Non, Georges passe son chemin. Bravo, Georges! Georges voit un joli parterre de fleurs. Va-t-il le massacrer? Non! Bravo, Georges! Georges n'essaie même pas de poursuivre chat. Même chat est un peu surpris. Quelque chose sent particulièrement bon. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est une poubelle. Il n'y a rien que Georges aime plus que les poubelles. Que va faire Georges? Georges? C'est la fin de notre histoire.